Bonjour, bonjour les amis et bienvenue ici à Vivre et Réussir en Afrique. Ici, lorsqu'on entre, il y a ce qu'on appelle la crèche, et puis après il y a la maternelle, et puis après il y a le niveau 3, le niveau 4, niveau 5, et ainsi de suite. En fonction des niveaux, il y a des livres qu'il faut lire. Et ici, je vais vous donner 7 livres de la maternelle. Je vous assure que ces 7 livres-là peuvent changer votre vie. Voilà pourquoi je vais vous les présenter. Parce que toutes les personnes qui arrivent ici, dès que tu arrives ici, tu dois lire au moins 4 de ces 7 livres qui sont ici. Donc, je vais vous les présenter un à un, rapidement. On n'a pas assez beaucoup de temps, mais bon, je me propose de vous présenter. Ce qui veut dire que d'ailleurs, je vous dis, nous sommes juste là devant la salle de formation. Regardez, nous sommes devant la salle de formation. Là, nous sommes devant la salle de formation. Et à l'heure là, il y a des personnes qui sont en train de travailler. Donc, on va pas beaucoup les déranger. Donc, je vais juste refermer la salle. Mais en même temps, je vais vous présenter ces 7 livres. Donc, avant d'aller plus loin, je vais faire une petite parenthèse. La tournée internationale de Vivre et Réussir en Afrique également continue. Le 22 octobre, nous serons du côté du Burkina Faso dans la salle de banquet de Ouagadougou. Là-bas, on parlera de business, on parlera d'argent, on parlera de réussite, on parlera de beaucoup de sujets liés à l'entrepreneuriat et au business sur Internet. Ça va se passer le 22 octobre dans la salle de banquet de Ouagadougou à partir de 14h30. Après la salle de banquet de Ouagadougou, on se retrouve au palais de congrès de Lomé. Là-bas, ça va être le 5 novembre à 14h30. Là-bas également, nous parlerons de business sur Internet. On parlera d'argent. Voilà. Après également, le Togo, ça va être la Guinée, ça va être à Conakry dans la salle Mali Condé de l'université Kofi Annan du côté de la Guinée. Après, ça va être le tour plutôt. Du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Cameroun, du Congo surtout. Hein. Je suis en train d'annoncer depuis qu'on est en train de nous préparer pour arriver cette année-ci jusqu'à Lubumbashi. Alors, 2024, bien sûr, 2024. Cette année-ci, ça va être très juste, mais on va s'arranger pour que plus tard en 2024, on arrive également à Kinshasa, à Lubumbashi, à Nouakchott. On va coordonner tout ça. Donc, on va revenir ici et je vais vous présenter rapidement le premier livre. Alors, le premier livre que tout le monde lit dès que tu arrives ici qu'on te donne, c'est « Réfléchissez et devenez riche ». Donc, c'est l'un des tout premiers livres que nous, on a mis au programme ici pour tous nos élèves, pour tous nos partenaires, pour tous ceux qui arrivent ici. On s'assure que vous lisiez d'abord ce livre-là, « Réfléchissez et devenez riche ». « Réfléchissez et devenez riche », c'est un livre qui a été écrit par un jeune journaliste de l'époque. Hein. Donc, au début du 20e siècle, vraiment, c'était un siècle aux États-Unis parce qu'on est en train de parler, bien sûr, de Napoléon, il est un Américain. Donc, à l'époque, aux États-Unis, il y avait un très richissime qui s'appelle Andrew Carnegie, qui a fait fortune dans l'acierie et qui a observé un peu la société américaine et a voulu bien mettre au service des autres Américains le secret de leur fortune. À l'époque, on avait des grands industriels de l'époque américaine. Il y avait les Henry Ford, parce que tout cela, ça, ce sont des personnes qui, au début du 20e siècle, donc nous sommes dans les années 1900 quelque chose. Donc, ce sont des personnes qui ont traversé la Première Guerre mondiale, d'autres ont traversé la Deuxième Guerre mondiale en passant par la crise économique de 1929. Il y a Charles Schwab, il y a Rockefeller, donc il y a John D. Rockefeller. En fait, ils étaient beaucoup de personnes à devenir tellement riches. Et Andrew Carnegie, qui également est un grand industriel, a contacté un jeune homme. À l'époque, il avait à peine 20 ans. Alors, il dit qu'il avait à peine 20 ans, un jeune journaliste de son époque. Et il lui dit, je veux te confier une mission. Je veux que tu ailles dans un peu partout dans les États-Unis. Tu trouves les personnes les plus riches. Je te mets en contact avec les hommes les plus riches et tu vas faire un travail magnifique. Ce travail consistera à aller trouver toutes ces personnes qui ont réussi là et ils vont te dire quel est le secret de leur réussite. Et c'est comme ça que ce jeune homme-là, du nom de Napoléon Hill, a accepté. Alors, d'après les échanges, là, il a posé juste une question. Est-ce que tu es prêt? Et Napoléon Hill avait que 5 secondes à répondre. Et ça faisait, d'ailleurs, il a dit plusieurs fois que ça faisait partie des critères même de la réussite. Être une personne qui décide rapidement et qui change d'avis difficilement. Décider rapidement, changer de décision difficilement. Et ça fait partie quand même des choses que vous allez découvrir ici. Donc, je vous invite vraiment, si vous venez de commencer dans les affaires et que vous n'avez pas encore lu ces livres-là, je vous invite à les lire. Ça, c'est une version compressée. Bon, pour un début, parce que la version complète également, elle est en anglais. Mais bon, je donne cette version
francophone comme ça pour que vous puissiez, ceux qui peuvent l'avoir, vous pouvez l'avoir. Le livre, ça s'appelle Réfléchissez. Je l'ai mis à l'envers. Donc, le livre s'appelle Réfléchissez et devenez riche. Premier livre qu'on recommande à toutes les personnes de lire. Hein. Ça fait partie des 4 livres obligatoires ici. Deuxième livre, ici au programme, c'est un autre monsieur qui, à mon avis, il a fait un travail un peu plus poussé parce que vraiment quand on vient après d'autres personnes qui ont un peu travaillé, on a une autre version, on a sa manière de faire les choses. Et ce monsieur, ça s'appelle, il s'appelle plutôt Bob Proctor. C'est l'un des derniers qui vient de, malheureusement, il nous a quitté il n'y a pas très longtemps. Bob Proctor, il a écrit un magnifique livre qui s'appelle « Vous êtes né riche ». Ce livre-là est également obligatoire parce que ce livre est obligatoire. Je vais vous dire, par exemple, les autres livres ne sont pas obligatoires, mais bon, il y en a 4, comme je vous ai dit, qui sont obligatoires. Donc, ce livre-là en fait partie parce que c'est un livre très, très puissant. Bob Proctor également. Alors, rapidement, je ne vais pas raconter tout ce qu'il y a dans le livre, mais au moins sur le personnage, comme ça, vous allez savoir. C'est un jeune homme qui, aux États-Unis, hein, il galérait comme tout le monde, avait du mal à manger, avait du mal même à joindre les deux bouts. Et qu'est-ce qu'il faisait comme travail? C'était un jeune homme qui nettoyait le sol et il ne comprenait rien du tout de la vie. Et il est arrivé à ce que un monsieur que je vais peut-être vous en parler un peu plus tard également, lui a confié un livre. Et ce livre qu'on lui a remis, bien sûr, devinez le livre. C'est ce livre-là que je viens de vous présenter là. Il rencontre un monsieur qui lui présente ce livre-là. Il dit que lis ce livre, fais exactement ce qu'il y a dans ce livre. Et je te parie que tu vas devenir millionnaire. Et c'est un monsieur qui lui a remis ce livre-ci. Et lui, en fait, il a appliqué, il a fait tout ce qu'on lui a dit de faire dedans. Il a fait en nettoyant le sol, parce qu'il était juste en train de nettoyer le sol. Il a fait exactement ce que le livre lui disait de faire. Il a fait, il est devenu multimillionnaire en dollars. Et à son tour, bien sûr, comme il a réussi, il a découvert lui également d'autres secrets qu'il a retransmis dans ce livre-là. Vous êtes né riche. C'est un monsieur qui parle beaucoup de paradigmes, qui parle de la reprogrammation mentale, qui parle beaucoup également du subconscient. Il explique comment, si vous changez, c'est un philosophe de la réussite en fait. Si vous explique un peu, vous allez vraiment comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Donc vraiment, je vous invite à lire déjà ces deux livres-là qui pour nous sont obligatoires. Alors, les deux autres livres qui sont obligatoires, je vais vous le rappeler encore, c'est un monsieur qui également est très très bien. Vraiment, ce monsieur a changé également beaucoup de mentalité. Parce que pour devenir riche, si vous voyez bien, tous les livres que je suis en train de vous présenter sont des livres plus ou moins de motivation. Ce sont des livres de mindset. Parce que voilà, pour nous, quand tu viens à vivre et réussir en Afrique, c'est d'abord le mindset. La chose la plus difficile, c'est d'abord le mindset. Donc, c'est un autre livre encore qui est un livre de mindset, un livre de l'esprit. C'est écrit par un autre Américain qui également a fait fortune, parce que les personnes que je suis en train de vous parler d'eux là, bon, je vais peut-être arrêter de trop parler des auteurs et puis bon, pour pas trop entrer dans les détails, on va aller droit au but. Il s'appelle T. Harv Eker. T. Harv Eker a écrit un magnifique livre sur l'esprit, sur le mindset également. Et ce livre, bien sûr, vous l'avez deviné, les secrets d'un esprit millionnaire. Donc, les secrets d'un esprit millionnaire, c'est écrit par T. Harv Eker, un très très bon livre également que je vous invite à aller lire de très près, parce qu'il explique dedans beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers financiers. Alors il explique maintenant pourquoi les gens sont pauvres dans la tête, et il explique beaucoup de principes qui sont très très intéressants que je vous invite quand même à aller lire ce livre-là, les secrets d'un esprit millionnaire. Il dit par exemple que si vous avez un esprit de pauvreté, c'est pas possible de devenir riche. Donc la première chose à faire, c'est d'abord changer votre état d'esprit. Et c'est là où je trouve que le livre est très intéressant. Et lorsque je partage ce livre avec la plupart des personnes qui viennent ici, ils se rendent compte effectivement que oui, vraiment, ils avaient des esprits de pauvreté, vraiment beaucoup de choses quoi. Donc T. Harv Eker également, c'est un de nos auteurs préférés ici à vivre et réussir en Afrique. Parce que tous ceux qui arrivent, je vous dis ça, c'est le premier niveau, hein, le niveau zéro, le niveau maternel. Bon, pas maternel, le niveau crèche. Donc vraiment, T. Harv Eker fait partie également des auteurs que nous on préconise ici. Alors, il reste un dernier livre qui est obligatoire dans notre programme. Parce que je vous ai dit que c'est obligatoire quand tu arrives chez nous, le premier mois, tu dois lire 4 livres. Et ces 4 livres-là, ce que je suis en train de vous dire maintenant après,
On a toute une bibliothèque derrière là-bas. Là. Donc, c'est juste quelques livres que j'ai pris de la bibliothèque pour vous amener. Hein. Mais sinon, il y en a beaucoup d'autres livres. Mais ce sont des livres que pour nous sont obligatoires. Le quatrième qui est obligatoire chez nous, et d'ailleurs, c'est le plus important. Ça, vous voyez, et c'est le plus lu. Si vous voyez, c'est sale, c'est très sale même. Parce que ça a été lu, relu, tout ce qui arrive. Et la plupart des livres que je vous envoie, parce que tout le monde lit ça. C'est obligatoire, c'est le premier livre obligatoire. Ces messieurs-là ont changé beaucoup de choses dans ma vie, surtout avec ces livres-là. La magie de voir grand. David Joseph Schwartz. Donc c'est un livre que je vous conseille vivement, vivement à lire. Donc ces quatre livres que je viens de citer sont obligatoires. Maintenant, ce n'est pas pour dire que les trois autres que j'ai là ne sont pas obligatoires, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais c'est à lire peut-être quand vous allez un peu avancer, ainsi de suite, quand vous allez peut-être être dans l'action. Voilà, quand vous allez commencer à parler d'argent, parce que la plupart des autres livres, les trois autres qui restent là vont parler d'argent. Alors, ce livre il est également très intéressant, le cinquième sur cette liste, ça a été écrit également par un autre Américain. Bizarrement, les Américains ont ceux qui ont beaucoup plus développé le mindset, la science de l'esprit, ainsi de suite. Donc, il s'appelle, c'est également lui, c'est un vétéran, hein, Wattel Wallace, il a écrit « La science de l'enrichissement ». Donc, c'est un livre également que nous recommandons vivement au niveau de « Vivre et réussir en Afrique ».« La science de l'enrichissement » de Wattel Wallace. Donc, il faut également lire. Dans ce livre également, le gars, il explique des concepts. Et surtout un concept où il parle d'une certaine manière. C'est-à-dire que ceux qui réussissent ont l'habitude de faire les choses d'une certaine manière. Et c'est quoi cette certaine manière de faire la chose-là? Les amis, je vous invite à aller lire ces livres-là. La science de l'enrichissement. Donc, voici les cinq premiers livres. Les deux derniers, nous avons un autre ami. Alors, lui également, il est très très connu. Les deux, pourquoi les deux? Parce que eux, c'est vraiment des contemporains. Ils sont encore en vie. Ils sont relativement jeunes. Quand je dis relativement jeunes, comparé à ceux qui sont déjà décédés il y a 50 ans. Donc, vous voyez, c'est pour cela que je parle de relativement jeunes, parce qu'ils sont encore en vie. Vous prenez le regretté David Joseph Schwartz. Le regretté, il est parti. Nous avons également Napoléon Hill, ainsi de suite. Bob Proctor qui nous a quittés, je vous ai dit. Donc, c'est pour dire que c'est un peu les anciens. Mais les deux-là, ils sont encore en vie. Et il s'agit de Robert Kiyosaki. Oui, d'ailleurs, son dernier livre. Robert Kiyosaki, son dernier livre vient de paraître il n'y a même pas longtemps. Son dernier livre, c'est faux. Fake en anglais, oui, son dernier livre, fake. Il parlait de faux monnaie, bon, fausse monnaie, faux professeur, ainsi de suite. Mais voici un des livres de ces messieurs-là que nous recommandons beaucoup ici. C'est Père riche, père pauvre. Je ne veux pas trop revenir sur ça parce que pour nous, bon, c'est facultatif, parce que pour quelqu'un qui vient de commencer dans le business, on lui recommande d'abord. Ça, ce sont des livres, ça commence à parler d'actifs, de passifs, donc ça commence à parler un peu d'argent déjà. Mais la première étape, c'est le mindset. Vous voyez un peu, non? Bien que ici également, c'est un livre qui va vous changer votre mindset. Ce livre est également très puissant dans la façon de voir l'argent, dans la façon de voir la richesse. Mais ça commence à être un peu pratique. Alors que les autres qu'on a cités, c'est vraiment mindset, quoi. Voilà. Ce livre, c'est un peu mindset et puis stratégie en même temps. Donc, vraiment, vous pouvez également lire ce sixième livre-là. Le dernier sur la liste, en fait, lui, en fait, ce n'est pas un livre extraordinaire, mais c'est la philosophie qu'il y a derrière ce livre. En fait, la philosophie qu'il y a derrière ce livre. C'est ça qui fait en sorte que nous, on a aimé la philosophie de ces livres-là et on l'a adopté ici au niveau de Vivre et Réussir en Afrique. Donc, la philosophie de faire les choses toujours plus grand. Et pas toujours plus grand dans le sens de Joseph Schwartz, mais ici, c'est dans l'action, c'est dans l'activité. The 10 rules, 10 rules, ou bien la règle du 10 fois. Grant Cardone, également, c'est un jeune. Quand je dis jeune, il est toujours en vie. Donc, c'est un contemporain, quoi. Il a une manière de faire les choses toujours 10 fois plus. C'est un monsieur qui peut débarquer dans une ville qu'il ne connaît personne et en 2-3 mois, il connaît toutes les autorités de ce pays-là. C'est un monsieur qui peut débarquer avec son produit qu'on ne connaît pas, mais en 6 mois, son produit est connu partout. C'est-à-dire que c'est un bosseur, c'est un fonceur. Donc, ça fait partie de la philosophie ici. Ici, c'est-à-dire que c'est la niaque. Il faut foncer.
Voilà pourquoi ici, à tous nos vendeurs, même la dernière fois, on était sur Zoom avec nos vendeurs. Il y a un des vendeurs qui se plaignait de ne pas pouvoir vendre. On lui a dit, écoute, il y a Grant Cardone qui dit, si un client n'achète pas, ce n'est pas le client qui n'a pas acheté, mais c'est toi qui n'as pas vendu. Quand on comprend ça, c'est la mentalité, le mindset de Grant Cardone. Travailler, foncer, aller faire 10 fois plus. Mes amis, voici les 10 livres que j'avais à vous présenter. Les 7 livres de motivation, de mindset que j'avais à vous présenter. Vous également, je voudrais que vous me dites en commentaire déjà. Ces 7 livres-là, lesquels que vous avez déjà peut-être lu ou bien vous avez déjà dans votre bibliothèque. Et quels sont les autres livres, vous, de mindset qui vous ont beaucoup plus marqué dans votre vie d'entrepreneur? Ici, on parle vraiment de livres de mindset. On parle vraiment de la motivation encore, parce que tous ces livres-là, il n'y a pas de livre de stratégie, de biographie. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, je vous attends, vous également, à me dire dans les commentaires les auteurs de mindset qui vous ont fait changer beaucoup de choses par rapport à votre manière de faire. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Et je vous souhaite de faire les choses toujours 10 fois plus.